Hey, bonjour tout le monde, c'est Retox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour présenter mon serveur Bazoar. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je vous expliquerais simplement le game mode. Donc, on va pas passer par 36 étapes et je vous ai expliqué rapidement comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, quand vous arrivez sur mon serveur, vous apparaissez dans une grande carte, comme vous pouvez le voir par cet endroit-là. Il vous suffit de vous trouver un bâtiment où vous mettre en sécurité. Hop, c'est la première étape. Une fois arrivé dans ce bâtiment-là, vous mettez directement un props sans mettre de fading door ou autre, parce que ce n'est pas un serveur roleplay, c'est dans le game mode Bazoar, je le rappelle. Vous protégez votre bâtiment et vous attendez quelques instants. Ensuite, vous vous posez la question, bon, est-ce que je veux jouer tout seul? Est-ce que je veux jouer en faction? Si vous souhaitez jouer en faction avec des amis, il faut appuyer sur la touche F3 et là vous avez un menu de faction qui va apparaître. Il vous suffit simplement du coup de créer une faction tout en bas à gauche et de l'appeler par exemple Uranium Community, de mettre un mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout simplement, et de choisir une couleur. Donc là, moi, je vais choisir le jaune. Voilà, vous cliquez sur créer, et une fois cette faction créée, vous regardez que dans le menu tab, vous avez la couleur qui apparaît. Voilà, Uranium Community, mon niveau, ma santé, etc. Une fois que vous avez créé cette faction, si vous voulez que des amis vous rejoignent, vous avez juste besoin d'aller de cliquer sur la personne qui a sa faction et vous aurez juste besoin de cliquer sur rejoindre la faction en bas de l'écran directement et ça vous proposera de rejoindre la faction avec déjà le nom. Voilà, et vous aurez juste le mot de passe à afficher et vous pourrez rejoindre la faction de vos amis. Ok pour ça. Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez privatisé du coup votre base, le plus important est d'appuyer sur la touche de menu des props et d'aller dans l'onglet Bazoar. Dans l'onglet Bazoar, comme vous pouvez le remarquer, vous avez des entités. Les entités, c'est quoi? C'est principalement les générateurs. Les générateurs, en fait, si vous voulez, ça va être le plus important. Si le générateur est détruit, toute votre base ne fonctionne plus, n'est plus alimentée en électricité, car les générateurs vous donnent de l'électricité et alimentent absolument tout chez vous. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, on va prendre les objets les plus chers. Vous voyez que là, on a le Dark Fusion Réacteur qui a une barre d'énergie qui augmente. Et donc ce réacteur-là produit de l'énergie. Et donc grâce à cette énergie que procure le générateur, vous pouvez poser ensuite des distributeurs de munitions, par exemple, qui sera très utile pour recharger vos armes. Des distributeurs d'armure, également très utile avant de partir au combat. Donc moi, je préfère les mettre devant la porte d'entrée. Et vous avez des tourelles défensives, des tourelles défensives qui se présentent comme ceci. Et les tourelles vont être très 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 utiles. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Les tourelles en fait vont vous protéger directement de l'assaut. Car entre factions, dans la touche F3, vous pouvez aller dans raid et lancer des raids contre une team ennemie. Regardez, démarrer un raid. Et pendant 3 secondes, du coup, vous pourrez ensuite attaquer vos ennemis. Donc c'est-à-dire détruire leurs props, aller chercher leur printer, etc. Alors oui, quand je dis printer, pourquoi? Parce que le fusion réacteur, du coup, qui vous distribue de l'énergie, est très important pour faire apparaître des printers. Et grâce à ces printers-là, vous allez monter de niveau, gagner de l'argent et ainsi pouvoir aller acheter des armes pour fight dans la rue directement. Voilà. Vous voyez, là, je viens d'en installer un. Il est au top, tranquille. Je commence à avoir mes petites tourelles défensives. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, du coup, tout commence à se mettre en place assez rapidement. Quand vous arrivez sur le serveur, vous êtes petit niveau, mais il suffit que vous trouviez quelqu'un qui est plus expérimenté que toi et vous montrez rapidement de niveau. Alors, très important aussi, quand vous avez créé votre base, vous mettez dans un petit coin tranquille, pas trop loin de votre réacteur, et vous faites apparaître un point de réapparition. Comme ça vous permettra qu'à chaque fois que vous êtes mort à l'extérieur de la ville, vous allez réapparaître ici. C'est très très utile. Alors par la suite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bien sûr, donc là on a vu tous les générateurs. Les générateurs du coup alimentent les printers, donc vous gagnez de l'argent. Vous avez également les radars. Si vous mettez un radar, c'est assez intéressant parce que vous voyez qu'en bas à droite de l'écran, vous avez une petite carte qui s'affiche en marquant les personnes qui sont sur la carte. Donc elles sont très utiles forcément pour aller fight dans la rue. Bon là, comme vous voyez, je l'ai très mal placé. Allez hop, on va le mettre là-bas. Ensuite, la deuxième étape, si vous voulez, c'est que vous avez une partie équipement. Dans cette partie équipement, il y a plusieurs choses à voir. Donc, une fois que vous avez bien installé vos printers, que vous êtes fait pas mal d'argent, que vous avez monté de niveau, etc., vous allez pouvoir partir au combat. En partant au combat, vous allez avoir plusieurs choix d'armes. Bon, là, je me suis amusé à mettre un petit sabre laser tout simplement, qui est plutôt intéressant, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous avez donc vos boîtes de munitions, de la régénération qui vous permet de regagner de la vie et de l'armure en bas à gauche de mon écran, comme vous le voyez.
et des petites armes. Des couteaux et toutes sortes d'armes qui permettent de fight, avec principalement des grenades, un medigun également pour soigner vos tourelles ou vos alliés si vous partez en combat. Et vous avez le droit également à une petite voiture explosive qui est plutôt sympa quand vous voulez la poser dans la rue et aller taper du monde sans sortir de chez vous. Et voilà. Et vous voyez que du coup, après, vous pouvez faire l'exploser avec clic gauche directement. Et là, comme vous voyez, j'ai attaqué tous mes bâtiments. Donc on va soigner tout ça. Et voilà. Bah écoutez, c'est vraiment tout simple. Ah si, petite astuce. Aussi, sur la droite, vous avez du coup les caméras. Les caméras, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'ajouter un nom pour votre caméra, de faire clic gauche pour sélectionner l'angle de vue que vous souhaitez. Par exemple, attendez, on va regarder. On va prendre à partir d'ici. Voilà, comme ça. Et pour poser l'écran, c'est clic droit. Bam. Et là, vous voyez que du coup, vous avez les caméras. C'est très très utile également. Et voilà, bah écoutez, pour moi ça va être tout, je pense que je vous ai résumé plutôt rapidement et simplement le game mode Bazoar. C'est vraiment un game mode qui est intéressant parce que c'est toujours dans le but d'être entre équipes, solidifier ses défenses pour ensuite mieux attaquer, et je trouve ça vraiment, mais alors vraiment très très intéressant. Vous avez vraiment plein de choix, plein de nouveautés qui vont continuer à arriver quotidiennement, et c'est ça qui est vachement intéressant quoi. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé, si vous voulez d'autres game modes, n'hésitez pas à me le dire, et on se retrouve rapidement. Merci à tous.